Ça ramène à la couverture d'Actuel et les jeunes gens bonheurs aiment leur maman, qui était comme une blague, un peu. C'était quand même une manière un peu de se foutre de la gueule des gens, quoi. Ouais, parce que, ouais. Voilà, en même temps, je crois que le titre, c'est « Les jeunes gens modernes aiment bien leur maman ». Donc, ils avaient fait un papier qui avait fait quand même pas mal de bruit. Il y avait un côté comme ça, très... pour indiquer que ces groupes étaient très bourgeois aussi, enfin qu'il y avait une espèce de milieu social dans tout ça qui n'était pas complètement faux, mais qui n'était pas, on ne pouvait pas limiter ça uniquement à, voilà, à un milieu bourgeois de lycéens. Voilà, c'est trop facile d'appeler ça comme ça. Donc. Ça mettait des mots sur un moment qui en fait est très important. Je trouve que c'est un moment très important parce que c'est un moment très français. C'était la French Touch de l'époque en fait. Un courant qui se situe en fait après le punk et au début de l'électropop finalement. C'est un instantané d'une époque en 79-80. Qui est entouré d'un look, d'un état d'esprit, de gens qui ont fait une force très rapide, très brutale, vraiment une espèce de coup de poing mais très très brutal et qui disparaît très vite.